Wesh les gars, j'espère que vous allez bien, on se trouve pour une nouvelle vidéo. On est au Québec comme vous pouvez voir, voilà, il y a de la neige partout, je sais pas si vous voyez bien. On est accompagné les gars et pas de n'importe qui. On est avec le ref Mehdi, il est là, le ref Babacam, les gars, Saïd. Ils sont à... Et pourquoi ils sont avec moi? Vous allez me dire pourquoi je suis tout seul et que je suis pas avec les croutons. Tout simplement comme vous avez pu le voir dans mes stories Insta, si vous avez pas vu je vous les mets tout de suite, voilà, hein, merci le monteur. Wesh les gars, j'espère que vous allez bien, faut que je vous parle là, c'est pour ça que je vous fais cette petite story. Faut que je vous raconte un truc, ce matin je suis en train de dormir tranquillement. Et il y a Inox qui est venu dans ma chambre, qui a réussi à ouvrir ma chambre parce qu'elle était fermée à clé. Il a réussi à l'ouvrir, il est rentré avec ça dans ma chambre, rempli de neige, et il me l'a balancé sur la gueule. Voilà, dans le lit, il m'a réveillé avec ça. Donc je peux vous dire qu'un réveil comme ça, c'est pas forcément le truc le plus agréable au monde, hein. Et du coup, je veux me venger, tout simplement. Donc si jamais vous avez des idées, des trucs plutôt cool, des trucs plutôt sympas, enfin pour moi, pas pour lui, forcément, mettez-moi en réponse cette story, je vous regarderai, je prendrai les meilleurs, et on fera tout ce qu'il faut, voilà. Mais Inoxtag, si tu regardes cette story, sache que tu vas en baver, frérot, t'as déclaré la guerre, on est parti pour 10 jours, mon gros. Bon courage. Et comme vous avez pu voir les gars, Inox m'a fait une saleté, cet enculé. Il est venu me réveiller le matin avec masse neige. On peut récupérer l'extrait aussi, le monteur tu peux nous le mettre. Tu vas assumer. Je cours, t'as le lumière. Et du coup, je cherchais une vengeance, je vous ai demandé une vengeance sur Insta. Et là les gars, il y a Babacam et Mehdi, ils viennent me voir en me disant gros, on a une idée de fou, on a découvert un truc. Tu peux expliquer un peu c'est quoi que vous avez découvert? Bon écoute, c'est pas compliqué, c'est l'urine de coyote, un répulsif naturel. Ça veut dire que c'est pour dégager les sales odeurs, ça fait pas fuir tous les prédateurs. Les coyotes. Donc, voilà, on va se faire les prédateurs. Du coup les gars, ça sent à balle à skip, on est parti au magasin chercher ça. Je vous montre dès qu'on le trouve et on va déglinguer Inox. Voilà, j'ai mes complices. On va trouver d'autres trucs pires que ça. Franchement, du poil à gratter. Des trucs comme ça, ça serait débat. Je veux tout, de toute façon tout ce qu'il y a dans le magasin de sale, on l'achète gros, on achète tout. Même la mousse à raser, tout ce que j'en ai pas pris, on achète tout gros. On va le salir Inox pendant une semaine, t'es pas prêt mon ref, t'es pas prêt. Les gars, on est arrivé devant le magasin. Regardez, c'est un truc de chasse apparemment. Moi ça a pas trop de chasse en fait. Non, on dirait plus un magasin généraliste en fait. Je sais pas si on va trouver ça, apparemment si. Mais Jill a l'air confiant. Bon les gars, c'est le mauvais magasin en fait, c'était pas le bon. Elle nous a dit que c'était la porte juste à côté apparemment. Et c'est pas de l'urine de coyote, c'est de l'urine de moufette. C'est encore pire. Depuis toi, ouais, en fait, une moufette c'est un putois. Et c'est encore pire à skip. Donc nous, on prend le pire. Voilà. Chasse et pêche. Ah ouais. Allez, zobardi. Let's go. Genre, je peux filmer, ça dérange pas? Ça, vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Ça, c'est de... c'est du poisson pourri. Du poisson pourri? Du poisson pourri, ouais. Tu peux te sentir? C'est pour attirer ou pour repousser? Ça pue bien. Vas-y, sens-le. Non, mais si, je vais sentir. Ça n'arrive pas, tu vas sentir dans le magasin. Ah, faut pas sentir? Ah ouais, à ce point-là? Ah ouais, à ce point-là. Ouais. C'est lequel le plus? Il y a la moufette. Ben, la moufette, ça, c'est un senteur que si t'as juste trouvé, ça reste là. Ça reste là? Même après la douche? Même après la douche. Elle est bonne, celle-là. Et ça s'enlève comment? Il y a un moyen de l'enlever ou... avec du jus de tomate ou allant de... Ok, donc il y a quand même un moyen. Non, faut pas, on faut pas, ok. Moi, tu veux connaître l'antidote au virus. Et ça se met comment? C'est un spray ou c'est un spray? C'est dangereux. C'est le plus pour nous. C'est le plus. On va mettre dans les yeux, par exemple. Juste par les yeux. Mais on peut le respirer, on peut le... Tu peux le respirer, mais tu vas t'en aller, mais tu respires. Ok, d'accord, super. Ouais, ça, la mouflette, c'est... La mouflette, c'est vraiment le plus puissant. Quand tu frappes une mouflette en moto, tu sors de l'auto. T'arrêtes puis tu sors de l'auto parce que ça pue, tu restes pas dans l'auto. Parce qu'il y a une odeur. Ah ouais. Tomponne la mouflette. Tu la sens dans la voiture. Tu sors de la voiture en vrai. Inox, Inox. La plupart, donne-le-moi. Tiens, tiens. On peut en prendre une gorgée si les bouteilles t'as beau. Oh sa mère! Sérieux? J'ai l'impression d'avoir mis mon nez dans de la merde en fait. Mais il va mourir Inox gros. Ça, ça on est obligé de le faire, le truc de moufette. Vas-y, il est content, on dirait un gosse. Mais je t'ai dit, on peut aussi prendre un petit airsoft, un pas trop puissant. Valide. On le fout dehors. Moi je valide, dès qu'il y a des trucs comme ça, je valide. On le fout dehors, on le bombarde quand il est dehors, tu vois. En caleçon. Et on le bombarde, on le fait courir dans la neige gros. T'as raison. Par contre, le petit airsoft, là, mais il y en a pas, genre, c'est... pas cher, non un moins puissant, c'est même pas cher, c'est un pas trop puissant, tu vois. Vous avez un airsoft qui fait pas trop mal quand même? C'est les balles de plastique. Genre on peut tirer sur un. Pas trop loin et ça va pas le... Non, c'est léger, ça pèse une fois. Ok. Mais let's go. Du coup, on prend lequel? On en prend un petit. Mec, je le réveille avec ça. Le matin, je mets mon réveil une demi-heure avant le sien. On enlève la couette et... Genre à Wolf. Est-ce que vous couchez au même endroit que lui? Non, pas dans la même chambre. Il a sa chambre. Il a sa chambre, ouais. Oui, mais ça va sentir même vous, là. Hein? Non, ça va aller. Dites-lui pas ça, madame. Moi, je vais dormir à l'hôtel, les gars. Vous avez quoi? Un truc simple, vraiment, c'est juste pour un prank, en fait. Le plus petit, là, ouais. Avec des billes comme ça, c'est ça? Ouais. Ok, bon, on va prendre ça, du coup. Let's go, on fait des folies. Oh ouais. Il est automatique. Ouais.
Attends, ouais, madame, elle a pris un truc de bille, c'est bon, parfait. On passe à la caisse et on se retrouve au gîte. Soon, on va commencer par l'urine en fait. Inox, mon ref. T'as fait quelque chose qu'il fallait pas, mon ref. Tu m'as réveillé. On réveille pas un ours qui dort, bro. Ok, les gars, nouvelle idée que Saïd vient d'avoir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer au gîte. Et il me semble que Inox se lave avec. Enfin, il se lave dans la même salle de bain que Mali. Ils sont à deux à utiliser une salle de bain parce qu'il y a trois salles de bain dans la villa. Du coup, on va aller voir Mali. On va lui demander de nous montrer quels sont les shampoings de Mali et les shampoings d'Inox, du coup, par élimination. Et on va foutre du produit dans le shampoing d'Inox avant d'aller en mettre sur Inox qui sera dans le salon. Comme ça, Inox, quand il en aura sur lui, qui va puer la mort, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir aller se laver. Sauf que quand il va aller se laver, et ben il va se foutre du shampoing sur la gueule et ça va puer la mort. Du coup, il va jamais réussir à se laver. Baba Cam, il a mis la meilleure idée au monde, les gars. Ça va être sale, ça va être sale. Les gars, c'est bon, on est rentré au gîte. Il m'a toujours eu Baba Cam à Médine. Je crois que le shampoing de Inox c'est celui-là. Je suis pas sûr. Tu penses ça? Vas-y, attends, faut que j'aille chercher l'huile. C'est bon, on est tranquille. J'essaye de ouvrir. Mais j'arrive pas à l'ouvrir. Non, il tourne dans le vent. Ah, il tourne dans le putain. C'est trop chaud de le mettre là. Mais ouais, non. Ah, non, mais c'est là. C'est chaud. Tu vas t'en mettre plein les doigts. Oh, l'instrument. Ça aide l'instrument, les gars. Oh, il y avait la pipette et tout. Ah, mais je vais l'enlever comme ça, je mets bien. T'en fous surtout pas sur les doigts. Ah. Mais non, j'en ai bien après. Ah, mais j'en ai plein d'autres. Tu te l'appelais pas, y'a du savon, y'a du savon. Yes. Mélange-le. C'est bon, en haut à droite. C'est bon. Étape numéro 1. Ok les gars, c'est le moment. On est tard le soir, il s'est passé au moins 3-4 heures, on a été mangé et tout. Mais j'attendais que Saïd et Mehdi reviennent tout simplement pour continuer la vidéo. Là, Saïd est de retour, je vais récupérer le truc, je vais remonter. On va essayer de prendre Inox, de filmer sans zoom zoom, ça va être compliqué. Donc désolé pour la qualité d'avance. On essaie de faire un truc patate. Oh bien, jacuzzi. Ah ouais, des liens là. Qu'est-ce qu'on y bien à là? On y bien. Ah, moi ça fait du bien. Oh là là. Laisse-moi faire. T'as la mère à mort. Ça y est, ramène une enfant. Doc, prends dans sa tête. Faut la ramener là. Ah, elle m'a de coup. Ouais, je suis en train. Qui est-ce? Qui est-ce? Mais t'étais en train de devenir ouf ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, moi? T'as fait un truc, ta gueule. T'as fait quoi derrière le mol? Arrête de me prendre. T'as ramené l'enceinte, gros. Pourquoi y'a quoi? Ah, vas-y, on se met dedans ou pas? Ouais, c'est quoi cette odeur? Mais oui, on est d'accord, y'a une odeur. Y'a une odeur qui pue la merde. T'as fait un truc, Doc. Ça pue la merde. Ça pue la merde. Ça pue la merde. Mais ouais, je suis pas Pourquoi tu rigoles, fils de pute là? Hey, t'es en train de psychoter, tu deviens ouf là. Oh, bah wesh. Vas-y, rapproche-toi, va. Ah, mais putain, moi, c'est bon. Oh, fils de pute. Merde! Ah, il s'est chié dessus! Il a chié dans le jacuzzi! Oh le bâtard, il a chié dans le jacuzzi! T'as fait quoi? Mais ça vient de toi, frère! Mais ta gueule, t'as fait quoi? Mais j'ai rien fait! Eh, hey, t'as fait quoi là? Mais ça pue la mort, wesh! T'as fait quoi? Ah ouais, ça pue, ça rase, ça vient des deux hommes, ça fouette de ouf! Ah, j'ai pris une bouffée là, mon ref! T'as fait quoi là? Tu te rappelles de la neige que tu m'as mis dans la gueule ou pas? Est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que je te dis que normalement ça allait être terrible, frère? T'as fait quoi, gros? Ça fait de la neige! Je crois qu'il est pas prêt! Tu t'en rappelles ou pas quand tu m'as baisé la gueule quand je dormais? Ta gueule! Voilà. Cherche pas, c'est sur Watt, gros! Ta gueule! Ça sent vraiment la mort. Mec, ça sent vraiment la merde. Ça sent la mort ou la merde? Mec, ça pue la merde. T'as fait quoi? On va te laver, frère. On va te laver, frérot. Ah ouais, tu fouettes. Moi, je t'ai dit, je peux pas descendre. Je sais pas ce que t'as fait, mon ref, mais tu fouettes, ça crasse. Mec, t'as fait quoi? T'as fait quoi? Oh putain. T'as fait quoi? Attends, je vais voir, je vais lui demander qu'est-ce qu'il a fait. Eh hey les gars, vous avez fait quoi? Vous avez fait quelque chose ou pas? En fait, ce qu'on a fait tout simplement, comme vous savez, c'est qu'on a fait ça. Ça, les gars, c'est de l'odeur de bouffette. Oh putain! C'est de l'urine de bouffette? Et ça, c'est pour éloigner les prédateurs. Oh, c'est un répulsif ultra puissant. Ça pue loin autour. Ah, franchement, ça pue. Ouais. Je veux juste le sentir, je l'ouvre, tu le sens. Vraiment, c'est possible. C'est bien aussi. Ça sent bizarre en vrai. En vrai, ça pue pas de ouf, hein, mais ça sent bizarre.
C'est une odeur surprenante. Mais ça sent le pétard. Mais oui, ça, moi je trouve ça sent un peu le pétard. Ça va encore. En vrai, ça va. Hein. Mais par contre, l'odeur est vraiment chelou. Hein. Ah, vas-y, vas-y. Attends. Ce que je disais, c'est que ça reste deux semaines. Je sais pas. Plus tu prends, plus ça reste. Il a vraiment fait ça? Oui. Il a mis un truc de putois. Ah, moi je te dis, vas-y, sors de là, va te vélo, mon ref. Mais c'est bon, je suis lavé là. Mais tu crois quoi? Mais tu vois, ramène du savon. Ouais, mais dis, ramène du. C'est quoi ton savon à toi? Eh, hey, écoute-moi bien, petit salaud. Eh, hey, mais dis, tu as cru que je suis con? Est-ce que t'as cru que je suis con? Est-ce que t'as. Tu lui as dit, va mettre du truc dans le savon, fils de pute. Non, j'ai pas dit. Non, si, si, t'as un menteur. Wallah, c'est pas dit ça. Si, si. Wallah, j'ai pas parlé comme ça. Mais t'es fou, mais. Eh, hey, viens voir si ça sent encore. T'as pas le droit de mentir. Je mens pas. On sent plus? Non, bah non, sinon. Moi, je l'aurais. Je te jure! Frère, tu veux quoi? Tu veux que je te dise oui, ça pue? Voilà, c'est bon, c'est lavé. Et lui, non. Il est mort. Écoute-moi bien, il est mort. Ah ouais? Doc, t'es mort. Moi, je lui ai mis de la neige, il met du pipi de pitoi. Ouais. C'est pas drôle! Il m'a enlevé ma dignité. Ok les gars, opération son lit maintenant, on va le pourrir en balle. Dobby m'a dit que tout le matelas, tout le lit c'est à inox, du coup on va prendre un coussin, genre un noir où ça se voit pas, et un petit shit comme ça. Oh sa mère, ah, ça me donne envie de gerber, j'ai juré. Il est en train de se laver les gars. Ça va mieux inox? Elle a fait du bien la douche ou pas? La vengeance c'est un cercle vicieux. Elle a fait du bien la douche. Tu t'es bien savonné? Oh là ça claque. Oh ouais. Là c'est fou. Mais wesh. Mais, mais il s'est lavé au savon de moufette ou quoi? Casse-toi de là toi. Tu t'es lavé avec quel savon gros? Avec du savon gros. Lequel? Le shampoing pour les cheveux. Non il a pris du shampoing. C'est quoi le savon? Hugo Boss. T'as pris du Hugo Boss? Ouais. Je rigole, j'ai fait c'était pour tester. Par contre, le Hugo Boss il coûte 60 balles ouais. Et t'as mis du pipi de tout machin. Mais non. Comment tu veux que je l'ouvre? Il s'ouvre même pas ton Hugo Boss gros. Tu es pas con, Doc. Tu es pas né de la dernière pluie. Oui, mais quel né de la dernière pluie, frère? Par contre, t'es mort. Tu peux filmer autant que tu veux là. Moi, je suis mort. Toi, t'es mort. Moi, je suis mort. Attends, attends ma prochaine. Tu sais que j'ai déjà un coup d'avance encore là. T'as encore un coup d'avance. Que peu importe ce que tu fais, je suis déjà prêt pour le prochain. T'en as 3000 toi. T'es mort, mon. T'as pas quoi, tu as même pas, mais là, tu m'as pas respecté en fait. Je t'ai pas respecté. Le type il vient me foutre une pelle de neige dans la gueule à 8h du matin dans mon lit. Et tu parles de respect? Tu m'as mis la fécalisation d'un animal. Et tu parles de respect avec moi? Gros, y'a un putois m'a pissé dessus. Je crois qu'il a le seum. Eh, barrez-vous là. A few moments later. Wesh les refs, on voit pas grand chose mais c'est le soir, tout le monde dort. On est avec le ref ton inox tag. C'est bon, le prank est fait les gars, on s'est vengé. Mais vraiment bâtard. Je sais mon ref. Mais j'étais obligé. Tu sais je m'en bats les couilles. Hein. Et j'ai emmerdé moi. Parce que les gars ça pue à mort dans sa chambre. Je l'ai aidé, on a tout aéré, on a tout fait, on a mis du déo, on a ouvert la fenêtre. Là en vrai ça sent plus trop. C'est bon alors. Je rentre dans mon lit, gros, je m'en bats les couilles. Valais. Franchement, je te fais même pas la tronche. Parce que vraiment là, t'as géré. C'était bien ouais. Voilà, mais du coup faut que je t'explique gros, parce que quand même tu en as pas fait ça n'importe comment. On était dans un magasin de chasse et pêche, je crois. Et on lui dit ouais c'est pour un pote et tout, pour lui faire une blague. Non. Et on lui dit ouais, on nous a parlé de l'urine de coyote parce que vous avez quelque chose au-dessus, tu vois ça, le pire que vous avez. Et tout. Elle me dit c'est l'urine de bouffette. Je dis on achète. On le veut. Du coup on était en mode let's go. Mais c'est que là, je suis allé me doucher, j'ai failli mettre mon truc. Hein. Le savon. Pose, le savon. Je suis là, je mets le savon. Je me suis dit, bon il a rien mis dedans. Du coup je mets le savon. Ensuite je redescends. Je me dis est-ce qu'il a mis dans mon Hugo Boss? J'ouvre, mais je l'ouvre au niveau de ma tronche. Ah genre t'allais l'ouvrir dans la tronche et t'allais appuyer. Gros j'allais appuyer. Mais non t'es trop. Ça a dégouliné partout dans la douche. Mais t'es trop. Ah ça devait puer ça dans la douche. Mais c'est ça qui pue en fait en bas. Il faut le jeter ça gros. T'as déjà trouvé un truc là pour te venger? Franchement les gars dans les commentaires mettez que vous aurez fait pour vous venger. Mais moi j'ai trouvé un truc là. Ah ouais genre tu demandes à mes abos de te donner des idées pour me baiser. Ah mais gros là les gars vous avez vu un truc. Mais tu sais que quand j'étais genre en jacuzzi, genre je me disais pourquoi Doc il est là. Après je vois Saïd il filme. Ce que je vois ça filmait depuis longtemps. Là je te vois tu tournes autour derrière moi. Là je savais il allait avoir un bail. Là les gars on arrête là-dessus. J'espère que vous kifferez la vidéo en tout cas. Pour le moment.